réaliser un poulet grillé à l'américaine. Après avoir découpé la volaille pour griller, mettre de l'huile dans une plaque, assaisonner, du sel, du poivre, badigeonner la première face avec un pinceau, retourner la volaille, assaisonner la deuxième face. Après avoir mis en place son poste de travail pour la grillade, c'est-à-dire préchauffer, brosser, puis huiler légèrement, positionner la volaille côté peau en premier, ici à 10 heures. Marquer environ 30 secondes. Puis, sans piquer la volaille, passer la fourchette à rôtir entre les barreaux, retourner ici à 2 heures. Laisser à nouveau une trentaine de secondes. Retourner la volaille à nouveau à 2 heures. Pour terminer, retourner ici à 10 heures. Placer la volaille dans une plaque à rôtir. Badigeonner avec un peu de beurre clarifié pour nourrir la viande pendant la cuisson. Nous pourrions dire aussi que la viande est rôtie puisque nous allons placer au four à 200 degrés environ 20 à 25 minutes. Ne pas hésiter durant la cuisson à arroser la volaille. En fin de cuisson, retournez le poulet. Éliminer les os. Retirer la totalité du bréchet. Pincer, puis arracher. Retourner la volaille. Badigeonner avec de la moutarde. Saupoudrer de chapelure. Puis replacer dans un four très chaud, environ 230 degrés,
pendant 5 minutes. Arroser avec du beurre clarifié. Enfourner. La cuisson du poulet est terminée. Retirer les piques en bois. Dresser sur un plat ovale. Et avant l'envoi, arroser de beurre noisette.